Et coucou mes beaux artisans de paix, mes belles âmes, désolée, nous avons été coupés sous la première vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé. Soyez les bienvenus sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. En ce jeudi 25 mars 2021, et oui, 84e jour de l'année déjà, et 12e semaine dans laquelle nous sommes. Bientôt la pleine lune qui aura lieu le 28 mars, ce week-end. Et oui, déjà bientôt, ça passe tellement vite. En tout cas, très très bon et joyeux anniversaire à vous, mes belles âmes qui êtes nées un 25 mars, mes petits béliers, premier décan. Et c'est surtout vous, mes Verseaux et mes jolis poissons qui avez été pénalisés. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas pénalisés. Sachez que tout est parfait. Au contraire, vous allez avoir un petit bonus que vos collègues n'ont pas. Eh bien, on va voir tout de suite ensemble quelles sont vos énergies, mes chéris. Vous devez avoir hâte de recevoir votre petit horoscope. Donc, il n'y a pas de raison qu'on termine pas ce qui vous plaît. Ou de ne pas continuer quelque chose qui vous plaise. En tout cas, vous savez très très bien que j'ai plaisir à vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les tirages ou les sujets qui vous préoccupent ou que vous aimeriez tout simplement que l'on aborde lors des prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous, mes chers abonnés, pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Merci de m'encourager. Soyez bénis. Gratitude infinie. Allez, mes petits Verseaux. Que vous réserve cette belle journée, et bien le sang-froid, l'aptitude à se contrôler dans les situations même les plus éprouvantes pour les nerfs ne seront malheureusement pas votre point fort et encore moins cette journée-ci. En tout cas, vous aurez même tendance à montrer à quel point vous êtes capable de monter sur vos grands chevaux, ne serait-ce que pour un oui ou pour un non, encore plus avec les paresseux et les incompétents. Donc attention messieurs ou mesdames paresseux et incompétents, si vous avez un Verseau dans votre sillage aujourd'hui, allez-vous-en. Et quel est votre clin d'œil, mes petits Verseaux? Eh bien, ne vous mettez pas à bouder à la moindre remarque, s'il vous plaît. Acceptez d'en tenir compte et cela vous aidera à avancer. Après, toutes les critiques ne sont pas négatives, certaines sont même constructives, mes beaux Verseaux. En tout cas, évitez les négligences, et encore plus dans vos papiers ou dans votre administration. Ainsi, vous éviterez des complications, encore plus des complications inutiles et coûteuses. Et en amour, eh bien, les amours sont non ovo-fixes, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous voyez même l'avenir en rose. Les constructions, les projets de couple, tout ça est clairement favorisé. Et encore plus si vous êtes célibataire, les rencontres que vous faites actuellement vont gagner en stabilité. Au niveau vitalité, mes petits Verseaux, eh bien, voici le moment de vous octroyer du vrai repos. Peut-être de permettre à votre organisme de se régénérer dans la détente la plus totale possible. En plus, le chien qui aboie, et ben, c'est pour vous rappeler qu'il est temps de vous occuper de vous. Voilà. Alors, pour vous récompenser, on va vous prendre une petite lame de l'oracle du temps pour voir dans combien de temps, justement, vos projets sont en voie. Oups, j'en ai déjà une qui tombe à mes pieds. Ah ben. Ben, écoutez, vous avez la carte de l'élévation, mes belles âmes, qui vient de sauter à mes pieds. Je la garde, mes petits Verseaux. Et elle vous dit bien que même si actuellement, vous traversez des périodes un peu troubles, vous êtes en pleine élévation, à ne pas en douter, car la carte de l'élévation est une très belle lame qui nous parle d'envol, de gaieté, de promotion. En tout cas, l'élévation est synonyme d'élan, d'ascension, d'avancement aussi, ou peut-être tout simplement d'une célébration d'un événement. En tout cas, cette carte, elle annonce la concrétisation d'un projet, la progression positive d'une situation, même sentimentalement. Si vous venez de faire une rencontre, eh bien, ça peut être une belle personne. Si vous traversez actuellement une période où vous ne touchez plus terre, eh bien, comme on disait que vous voyez la vie en rose, sachez que vos désirs vont être comblés. Et peut-être même pour certains un projet de mariage, ou de bâtir une maison, ou de fonder une famille ensemble. En tout cas, on me parle bien de concrétisation. Et pour d'autres, l'agrandissement d'une famille, pour une grossesse possible, pour ceux qui désirent avoir un enfant. Eh bien, mes petits Verseaux, professionnellement, c'est pareil. Pour ceux qui viseraient un poste qui leur permettra d'être revalorisé ou d'avoir une meilleure gratification ou une promotion, bingo, avec cette carte de l'élévation, c'est positif. En tout cas, vous risquez de réaliser fortement vos ambitions professionnelles et peut-être même affirmer votre autorité par la même occasion. Financièrement, on me parle aussi de revenus en hausse, une offre qui va vous être faite ou une hausse de votre chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte. En tout cas, vous allez obtenir une augmentation et faire en sorte que votre situation soit beaucoup plus stable, mes petits poissons. À vous. Voilà pour vous, mes Verseaux. Et on passe tout de suite à nos amis poissons. Eh bien, mes petits poissons, désolé de vous avoir pénalisé, mais en fait, vous êtes gagnants, tout compte fait. J'espère que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Et bien que vous réserve cette belle journée, mes petits poissons, vos énergies générales.
Attention, mes petits poissons, à la franchise. Comme dit le proverbe arabe, lorsque tu lances la flèche de la franchise, n'oublie pas de la tremper dans le miel. Eh bien, vous, votre franchise est un peu brutale aujourd'hui, alors évitez surtout les inimitiés inutiles. En tout cas, vous aimez dire aux gens leurs quatre vérités sans les ménager, mais eux préfèrent un compliment menteur à une critique sincère. Donc, mes petits poissons, faites attention. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, méfiez-vous du perfectionnisme et surtout regardez ce que vous avez accompli et félicitez-vous-en. Vous aussi, vous avez le chien qui aboie, décidément. Il y a quelque chose qui vous dit, méfiez-vous. En tout cas, du perfectionnisme, en tous les cas. Aujourd'hui, vous allez éveiller des exigences. Surtout, ne vous fâchez pas, et encore moins avec les autres. Soyez compréhensifs et faites des concessions si possible aujourd'hui. Au niveau sentimental, mes beaux petits poissons, eh bien, vous vous sentez peut-être un petit peu à fleur de peau aujourd'hui. Avec ces énergies lunaires, c'est parfaitement compréhensible. Alors, prenez un peu de temps pour vous. Soit vous allez profiter de ces énergies à fleur de peau pour vous dévoiler, soit au contraire, vous allez chercher à vous en cacher. En tout cas, chassez vos doutes et foncez. Voilà ce qu'on vous dit en cette journée. Sentimentalement, écoutez votre cœur. Et au niveau vitalité, mes petits poissons, eh bien, quelques longueurs de piscine seraient les bienvenues. En tout cas, vous vous dégagerez de vos tensions les plus difficiles, les plus calcitrantes et les plus efficacement. Voilà quelle est la méthode et le conseil que je peux vous donner, mes petits poissons. Et pareil que vos collègues, on va vous prendre une petite lame de l'oracle du temps et voir quel est le message que je peux avoir à vous donner en complément. Allez, c'est parti. Merci les sages, merci l'équipe, merci les sages, merci à ceux qui m'auraient été lumière infinie. Amen. Et qu'est-ce que nous avons pour vous, mes trésors? Eh bien, vous, c'est la carte de l'exploration qui vient de sauter littéralement. Et oui, vous, vous avez encore besoin de vous aventurer. Elle me parle d'analyse, vous êtes un peu dans l'introspection, dans la vérification. Elle symbolise aussi l'examen, voire peut-être une perquisition. En tout cas, il va falloir trouver des éclaircissements. Peut-être certaines situations sont encore un peu troubles ou obscures à vos yeux. Vous avez peut-être besoin aussi de découvrir des informations ou d'avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. On vous demande d'avoir raison, de prendre votre temps, de regarder bien au-delà des apparences et surtout de regarder au-delà de ce qui est trop facilement visible. En amour, peut-être que vous cherchez à en savoir un peu plus sur votre partenaire ou tout simplement à jouer les inspecteurs Columbo, là, à fouiller dans ses affaires, à vérifier son emploi du temps ou peut-être à fouiller dans son téléphone portable pour vous apaiser ou apaiser tout simplement vos soupçons. Eh bien, franchement, il n'y a qu'une thérapie qui vous est conseillée parce que là, ça frôle largement le désespoir. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises, mes petits poissons. Professionnellement, la carte de l'exploration nous parle peut-être de tâches à mener ou d'un examen de fond en comble, quelque chose que vous devez faire pour découvrir encore une vérité. Ou peut-être que vous avez décidé d'être détective privé ou policier, ou de travailler dans le domaine de la recherche. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes en pleine introspection, quel que soit votre métier. Et en pleine inspection surtout. Ah oui, la carte de l'exploration, je vous vois bien, inspecteur gadget là. Bon, ben, vous me ferez un retour en commentaire, n'hésitez pas. Et l'exploration financièrement vous parle surtout de faire un petit contrôle sur vos revenus ou de vérifier un petit peu vos déclarations. Peut-être que vous allez avoir une demande de vérification. En tout cas, faites-vous aider si besoin est. N'hésitez pas et évitez tout contrôle et encore plus. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un contrôle de l'État. À vous de voir. Soit vous avez une aide de l'État ou soit un contrôle de l'État. Donc à vous de voir. Mais j'espère pour vous que ça sera plus une aide, mes petits poissons. Voilà quels sont les conseils que je peux vous donner en ce jour. Et j'espère que cette petite guidance a pu vous aider. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Tous mes petits versos, tous mes petits poissons n'ont pas tous la même vie. Mais j'espère néanmoins que ça aura pu vous aider en cette journée bénie. Et surtout, j'espère que vous allez bien mes chéris et que vous allez me faire plein de petits retours en commentaire parce que j'ai plaisir à vous lire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci de faire vivre cette chaîne par votre présence. Merci, merci, merci. Et une petite citation pour terminer ce tirage? Eh bien, c'est Georges Perec qui nous dit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Je répète, « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Voilà quelle est notre citation en cette journée de Monsieur Georges Perec. Sur ces belles énergies, mes chéris, je vous envoie plein de gros bisous, plein de belles énergies aussi. En tout cas, merci pour votre présence. Merci, merci, merci. Belle journée à vous, à très vite pour un nouveau tirage. Encore merci, soyez bénis, gratitude infinie.